Et alors, Philippe? Et alors? Bon candidat, je reconnais. Bon candidat. Ce soir. Bon candidat. Philippe qui a eu un quart de seconde trop tard, et voilà. Très, très chaud. Hein, donc, vous êtes quand même qualifié, mais faites attention, parce que c'est vrai qu'il y a de bons candidats, et vous jouez pour une troisième victoire, oui. Ce serait dommage. On ne peut pas imaginer ça. Philippe, maître de conférence en mathématiques, habitant... L'élève est Oumerag. Voilà, oui. Département de la... Gironde. Gironde, 33. Stéphanie, journaliste en presse écrite, elle s'est qualifiée. Joël est en tête de course, gestionnaire dans un lycée habitant Carcassonne. Le lycée est à Carcassonne aussi, d'ailleurs. Et nous avons ces quatre à la suite, quatre thèmes. 40 secondes au chronomètre. Sur quel thème? Quatre à la suite. Sur tout, bien raison, tout sur le sourire. Les prénoms des héros littéraires. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. Question pour un champion. Et enfin, les villes étrangères dans la chanson. Il s'agit ici uniquement de chansons en français. Que dit Joël? Eh bien, on va essayer les villes étrangères dans la chanson. Voilà. Alors, d'accord. Joël, Carcassonne, on redonne le nom du lycée. Le lycée Jules Fil. Il s'agit de la gestion du matériel, du budget, du personnel du voilà, lycée. Voilà, tout à fait. Tout. C'est très varié. Et puis, en dehors de ça, bah, c'est le sport. Vous aimez bien le sport, et notamment le basket. Voilà, c'est vous ça. Jouez, vous jouez en club? Un petit peu, oui, effectivement. Quel club? À Carcassonne même. Et vous supportez quelle équipe? Les Spurs de San Antonio aux États-Unis. Bien sûr. Là où jouent Tony Parker et Boris Diaw. Alors, le chronomètre, les villes étrangères dans la chanson. Pas dans un tube de 78. De quelle ville d'Égypte Claude François évoque-t-il les lumières? Alexandrie. Du en 76, quel grand port du Canada a été chanté par Véronique Sanson? Je passe. En 87, du nom de quelle ville d'Inde, célèbre pour ses jardins, de théiers, Scheller. William Scheller a-t-il intitulé l'une de ses chansons? En 80, de quelle ville des Caraïbes Bernard Lavilliers évoquait-il la beauté, la violence posée sur la balance? Je passe aussi. Dans un tube de 84, dans quelle grande capitale européenne Étienne Daho souhaite-t-il passer un week-end? Rome. Oui. Quelle ville de l'Afghanistan est associée à l'île de Manhattan dans le titre d'un nouveau interprété? Dans l'un de ces tubes de 99, dans quelle ville du Maghreb, Bruel, situe-t-il le Café des Délices? Je sais pas. Ça ne me revient pas. C'est la chanson « Au Café des Délices ». Et dans quelle ville du Maghreb, Patrick Bruel, situe-t-il le Café des Délices à Tunis? Ça rime avec « Délices ». La ville de Tunis. Deux points pour Joël. La ville de l'Afghanistan, là. Cette ville d'Afghanistan, associée à l'île de Manhattan dans le titre d'un duo interprété par Renaud et Axel Red en 2002, Kaboul, d'accord. De quelle ville des Caraïbes Bernard Lavilliers évoquait-il la beauté, la violence posée sur la balance? Nous sommes dans les Caraïbes et on n'est pas loin de la Martinique qu'on aime, de la Guadeloupe qu'on aime et qui nous regarde, j'allais presque dire amoureusement. Question pour un champion. Eh bien, dans le secteur, il y a Kingston. Il y a la Jamaïque. Kingston. 87, du nom de quelle ville d'Inde, célèbre pour ses jardins de théier, William Scheller a-t-il intitulé l'une de ses chansons? Darjeeling. Le thé Darjeeling. 76, quel grand port du Canada a été chanté par Véronique Sanson? Vancouver. Vancouver, évidemment. Stéphanie, c'est à vous. Je vais prendre les prénoms des héros littéraires. Bien sûr. Allez, Steph, les journaux, les rédactions, la presse écrite, les papiers qu'on rewrite, qu'on corrige, on est dans la presse toute la journée. Toute la journée. Et quand on a fini ça, on s'occupe de quoi après? On a envie de lire. Bah, bien sûr, oui, oui, oui. Non, mais vous aimez bien la musique? J'aime bien la musique, j'aime beaucoup le sport aussi. Et le sport aussi, bien sûr. Pour quel genre de support travaillez-vous? C'est la presse écrite, mais c'est quel genre? C'est toute presse? C'est quoi? Toute presse, c'est tout journaux ou magazine? Et d'accord. Tout sort de magazine. Stéphanie, merci de vous détendre avec nous. C'est votre premier jeu télé ou pas? C'est mon deuxième jeu télé. C'est qui le premier? Tout vu, tout lu, il y a 10 ans. Je m'en souviens. Mais je me souviens de ça. Avec qui a animé ça? Stéphane Thébault. Mais bien sûr, Stéphane, mais bien sûr, oui, je me souviens très bien de ce jeu-là. C'était sur quelle chaîne? Je crois que c'était sur France 5. Moi, je m'en souviens pas du tout. Alors, attention, Stéphanie, 40 secondes. Et les prénoms des héros littéraires. Top, quel prénom porte le détective belge créé par Agatha Christie? Hercule. En 1877, dans un roman de Tolstoï, quel prénom porte l'héroïne tombant amoureuse de l'officier Vronsky? Anna.
en 1816, quel prénom masculin constitue le titre d'un roman de Benjamin Constant? Werther? Non. Quel prénom féminin signifiant jeune fille en grec reste associé à un roman de Madame de Staël en 1807? Je passe. En 1788, quel prénom est associé à Virginie dans le titre d'un roman de... Paul. Oui. Dans une série romanesque de Colette publiée dès 1900 sous le nom de Willy. Claudine. Oh oui. En 68, comment se prénomme le héros du roman Belle du Seigneur d'Albert Cohen? Solal. Oui. Oh, quel est le prénom du grand Maune dans le roman homonyme d'Alain Fournier? Elle l'a. Augustin. Je ne l'ai pas. Augustin. Vous ne l'avez pas? Non, je ne l'ai pas. Augustin, voilà. 3 points pour Stéphanie. Et oui, le prénom du grand Maune dans le roman homonyme d'Alain Fournier, publié en 1913, Augustin. Nous avions Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre. D'accord, il s'agissait de Paul. Quel prénom féminin signifiant jeune fille en grec reste associé à un roman de Madame de Staël? C'est Corinne. Corinne ou l'Italie? Benjamin Constant, vous l'avez, Philippe, ou pas? Adolphe. Adolphe, exactement, oui. Et quel prénom porte le détective belge créé par Agatha Christie, qu'on trouve dans de nombreux ouvrages comme « Mort sur le Nil », Hercule Poirot. Philippe, c'est à vous. Et là, il nous reste le sourire ou le thème mystère? Je vais essayer le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons tout de suite le thème. Et là, il joue gros, Philippe. Hein. L'histoire des moyens de paiement. Ok, c'est bon. Et il n'est pas content, en plus. Il n'est pas content du tout. Oui, voyez donc, on n'a pas la baraka ce soir. Hein. On a du mal. Mais oui, bon, bah oui. On va faire il y a des avec. Jours comme ça. Oui, voilà. Comme à bon, Philippe. Et on n'a pas. Oh, oui, oui, il faut absolument. Philippe a une fille sympa comme tout. Elle s'appelle Laura. Oui, elle a 13 ans. Oui. Et elle m'a donné un petit porte-bonheur, là, pour, faut le, montrer, pour faut le jeu. Voilà, attendez, c'est... mettez la main sur la. Ne bougez plus la main. Voilà, comme voilà. Ça, on va faire un petit plan. Oui, alors, c'est voilà, qu'est-ce que c'est l'anneau du Hobbit. C'est le Hobbit. Voilà, l'anneau du Hobbit, dans le Seigneur des Anneaux, oui. Et dans Bilbo le Hobbit. Et elle vous a dit, papa, elle tu m'a portes dit, voilà, ça. Deux choses. Oui. Tu le portes et tu le perds pas, oui. Et tu ne chantes pas. Donc, pour l'instant, ah, surtout, j'ai pas chanté. Surtout, tu chantes pas. Et ah, j'ai pas perdu l'anneau non plus. Bon, Philippe, on y va. Vous m'avez dit, thème mystère, moi j'ai dit, histoire des moyens de paiement. D'accord. Avril 1803, en France, quel établissement financier obtient le privilège exclusif de l'émission des billets de banque à Paris? La Banque de France. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, quel roi de Lydie, célèbre pour ses richesses, crée un système Midas. Monétaire? Quel mot, se référant à une ancienne monnaie française, valant un demi-denier, désigne une, par extension une modeste offrande? Obol. Quel coquillage proche des porcelaines était utilisé autrefois en Afrique en guise de monnaie? Corée. Corrie. En France, quel ordre de paiement scriptural permettant de déposer ou de retirer de l'argent devient légal en 1865? Un chèque. Quel papier monnaie émis sous la Révolution française était en assignat. Principe... Quel mot espagnol signifiant royal désigne... Réal. Dans l'Antiquité romaine, quelle monnaie d'argent a valu... a d'abord valu 10, puis 16 as, un denier. Là, il s'en sort bien, c'était encore risqué. C'est l'anneau. Voilà, là, c'est l'anneau, oui. C'est l'anneau de Laura. 3 points pour Philippe. Coquillage proche des porcelaines, utilisé autrefois en Afrique en guise de monnaie, le kori. Kori, oui. Au 6e avant Jésus-Christ, quel roi de Lydie, célèbre pour ses richesses, crée un système monétaire basé sur le bimétallisme Crésus. 3 points. Stéphanie est à 3, tout va bien. Eh bien, Joël, voilà, voilà, voilà. Hein. On va s'embrasser, Joël et Stéphanie. On se serre la main à Philippe. Merci, Joël. Et... bravo, Joël. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Joël. Oui. Et bon retour à Carcassonne. Merci. Il y a 1000 euros et un an de fleurs à gagner à raison d'un bouquet par semaine. C'est maintenant qu'il faut jouer. Combien de joueurs comptent une équipe de football? 11 joueurs. Réponse 1 ou 4 joueurs. Réponse 2. 32-43, bien sûr, pour vos réponses par téléphone et par SMS, vous tapez 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Stéphanie est en finale, mais Philippe est en finale aussi. Ça a été compliqué hein, ce soir. Ah, par un trou de souris, je pense. Là, il revient de loin, Philippe. Un trou d'aiguille. Philippe qui va jouer pour une 3e victoire. Stéphanie, Philippe, Philippe, Stéphanie, le match, le choc, le jeu.